Donc, je vous présente Jean Mouton, qui est directeur associé du cabinet Jean Mouton Conseil et qui est professeur affilié à l'École supérieure de commerce de Paris, où il co-dirige le cours de négociation. Donc, l'idée de cet atelier, c'était de vous faire découvrir un certain nombre de choses fondamentales sur la négociation d'une façon que on n'a pas l'habitude de présenter, de voir un petit peu, de suggérer des choses et des applications dans le domaine de l'agilité. Donc, merci de votre participation enthousiaste. On va passer un petit moment debout à travailler ensemble. Et je vous laisse vous asseoir en attendant que je ne dévoile pas la surprise. Bon, je cède le micro à Jean qui va vous prendre et vous transporter dans le monde merveilleux de l'agilité. Bon. Attends, je vais d'abord enlever ma veste. Ah. Donc, pendant, je fais les raccords, moi. Donc, on va dire merci à nos sponsors. Respectueusement. Parle des sponsors, merci d'être aussi nombreux. Je n'oublie pas que l'agilité, c'est un fonctionnement cybernétique. Alors, quand on a dit cybernétique, c'est un grand mot, mais ça vient de, comme vous savez, de Kubernatos en grec ancien, qui veut dire le pilote du bateau. Ça veut dire que pour barrer un bateau, il faut tenir compte, il faut faire bouger sa barre, réguler des choses en fonction du courant, de la dérive du courant, du vent, etc. Et c'est vraiment la démarche agile. Mais pour être encore plus agile, eh bien, nous allons vous proposer de participer aux choses. Et pas simplement assis, mais d'être des participants debout pour un premier temps. Alors, ce que je vous propose de voir cet après-midi, dans le temps qui nous est imparti, comme on dit à la télé. Donc on a 1 heure et demie, ça. D'essayer de voir comment la négociation peut se situer dans le fonctionnement agile. Si j'ai bien compris un petit peu l'histoire du fonctionnement agile, c'est que c'est un fonctionnement qui fait preuve d'humanisme, qui tient compte de l'autre et qui ne tient pas compte uniquement de ce que nous sommes nous-mêmes. Et ça s'inscrit tout à fait dans la vision que j'ai de la négociation. C'est-à-dire qu'une chose qui me paraît fondamentale dans la négociation, c'est que votre façon, notre façon de négocier, aussi bien la mienne que la vôtre, témoigne de notre vision du monde. C'est-à-dire qu'elle témoigne de la façon dont nous nous considérons avec les autres, dont nous considérons les autres et dont nous considérons que nous allons faire des choses ensemble. C'est ça, négocier. C'est pas prendre une grenade, la dégoupiller et dire « pense à ta femme, pense à tes gosses ». Ça, c'est pas une négociation. En revanche, une négociation, c'est une interaction d'intelligence et d'émotion. Ça, c'est fondamental. Alors, ce que je vous propose, c'est dans ce temps que nous allons passer ensemble, c'est d'essayer de voir, de faire un tout petit voyage au pays de la négociation, et d'être intelligent ensemble, de façon agile, à propos de la négociation. C'est-à-dire de voir ensemble qu'est-ce que c'est que son aspect stratégique, qu'est-ce que c'est que son aspect tactique, qu'est-ce qu'on appelle un style en négociation. Parce que ça, c'est fondamental. Suivant le style que vous allez choisir et suivant le style que l'autre va choisir, il va falloir vous adapter. Donc, faire preuve d'agilité, bien évidemment. Alors, la façon dont je vous propose de travailler, c'est de travailler de façon active. Mais déjà, j'ai employé deux grands mots, stratégique et tactique. Mon expérience me montre que la plupart du temps, les gens ne savent pas au départ ce que ça veut dire. Nous employons continuellement le mot stratégique et le mot tactique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y en a une ou un parmi vous qui peut me dire d'où vient le mot stratégique? Confucius. Ah, ben si c'est Confucius. Et qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Confucius? Il faut un micro pour ce monsieur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a dit? Déjà, quand on a dit Confucius, c'est déjà bien, hein? Bon. Il a dit quelque chose à ce propos-là? Il me semble que c'était dans l'art de la guerre. Donc oui, ça, c'est Sun Tzu. C'est pas Confucius, ah, mais c'est pas grave. Bon, attendez, attendez. Mon but n'est pas de faire un truc littéraire. Mon but est de situer les choses. Parce qu'un mot compliqué, c'est comme un puits.
Il faut plonger souvent son seau très profond pour toucher l'eau de la connaissance. Ce mot stratégique, on l'emploie tout le temps. Ça vient de deux mots grecs. Hein, ce mot stratégie qu'on emploie absolument tout le temps. Stratégie, ça vient de stratos et geomai en grec ancien. Stratos, c'est l'armée. Et geomai, c'est conduire. Quand on parle de stratégie, on devient un général en chef. C'est ça qui est important. Quand vous allez mener votre négociation sous l'aspect stratégique, vous allez être le général en chef de votre négociation. C'est-à-dire les qualités de la vision, de l'intelligence, de l'imagination. C'est tout ça qui va vous permettre de vous adapter. Deuxième chose, le mot tactique. D'où ça vient ? Ça vient aussi du grec ancien, ça vient de tacticos, qui veut dire la disposition des troupes, la façon dont vous allez disposer vos forces sur le territoire pour gagner la bataille. C'est un vocabulaire essentiellement militaire. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, en illustration, je vous montrerai que nous pouvons travailler à partir, par exemple, de la bataille d'Austerlitz, de la rencontre de Napoléon avec les Russes et les Autrichiens, et en tirer des conséquences, bien sûr, pour notre façon de fonctionner. Maintenant, vous et moi, nous partageons la culture des mots stratégie et tactique. Nous savons ce que ça veut dire, mais ça serait encore plus intéressant de les voir au travail. Avant cela, je voudrais vous proposer quelque chose. Quand il y a plusieurs feuilles, le problème, c'est de retrouver la bonne. D'habitude, je ne travaille pas comme ça, je travaille sur un grand tableau blanc, mais enfin, bon, il faut faire avec ce qu'il y a. Voilà. Voilà un schéma. En fait, c'est quoi ? C'est un cycle qui s'établit à partir de la médecine ayurvédique, c'est-à-dire la médecine qu'on utilise en Inde. Dans la médecine ayurvédique, ils disent qu'il y a trois phases, pitta, phitta, kapha. Pitta, c'est la phase de mouvement. Kapha, c'est la phase de transformation. Nous parlerons donc d'une première phase de mouvement. Nous parlerons ensuite d'une phase de transformation et nous terminerons par une phase de cohésion. Ce que je vous propose dans ce que nous allons faire ensemble cet après-midi, c'est de voir comment dans une négociation nous allons pouvoir mettre les choses en mouvement. Parce qu'au départ, la négociation commence par une tectonique de plaques. En gros, je veux, l'autre dit non. Et ça se bloque. Il va donc falloir créer du mouvement, de l'agilité, pour parvenir à la phase de transformation. La phase de transformation de quoi ? Des émotions et des attitudes. Si nous restons sur des attitudes de peur, de crispation, nous ne pourrons pas aller sur notre vision stratégique qui, comme nous allons le découvrir, essaye de tenir compte à la fois de nos objectifs et de la légitimité de l'objectif de l'autre. C'est une rencontre entre les deux. Et puis ensuite, la phase de cohésion, ce sont les prises de décision qui vont terminer la négociation et qui vont nous permettre de partir sur un avenir différent de celui sur lequel nous étions au moment d'entamer la négociation. Est-ce que c'est clair ? Alors, maintenant, voyons comment nous allons travailler. Je vais vous proposer de faire un jeu ensemble pour prendre conscience de la dimension stratégique et tactique de la négociation et de découvrir ce qu'on appelle un style. Pour cela, je vais vous demander d'avoir la gentillesse de vous répartir en quatre groupes dans la salle. C'est-à-dire que vous allez vous lever. On va le faire, ne vous inquiétez pas. Donc, on va en gros partager cette salle en quatre groupes. Vous allez vous mettre debout. Il y aura un groupe qui va se mettre là, qui sera le groupe D. Un groupe qui va se mettre là, qui sera le groupe A. Tu me donnes un coup de main, Jean-Hugues, pour la répartition. Un groupe là-bas, qui sera le groupe C, et ici un groupe qui sera le groupe D. D'accord. Chacun de ces petits groupes aura le même objectif, gagner le maximum d'argent. Bien. Dans le monde que nous connaissons, c'est un mot qui on sait ce que ça veut dire. L'argent, la maille, la thune, le gold, le fric, le flouze, tout le monde sait. Bon. Donc vous allez être répartis en quatre groupes. Chacun ayant le même objectif, gagner le maximum d'argent. Vous allez prendre en groupe une décision toutes les trois minutes.
cette décision, vous allez l'écrire sur un petit bout de papier, un post-it que va vous donner mon ami Jean-Hugues, et sur lequel vous allez écrire deux choses, ou la lettre X ou la lettre Y. C'est tout. Au moins, vous n'aurez pas beaucoup d'écriture. Donc, vous allez écrire ou la lettre X ou la lettre Y. Vous allez jouer. Donc, chaque groupe va émettre une décision toutes les 3 minutes, décision qu'il va matérialiser sur un post-it X et Y. Bien. Vous allez jouer d'abord 3 coups. Donc, 3 décisions. Au fur et à mesure des décisions que vous allez me donner, je vais inscrire la décision que chacun des groupes a prise et les conséquences de cette décision par rapport aux données du jeu. Est-ce que c'est clair pour l'instant ? Bien. À ce moment-là, qu'est-ce que nous allons faire ? D'habitude, quand on travaille sur un cas, tout est fait. Nous, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons construire ensemble notre grille de lecture qui seront vos décisions, qui sera vos décisions, et c'est sur cette grille de lecture que nous allons faire décoller notre intelligence. C'est ça qui est important. Donc, vous allez jouer un coup, on va marquer, Jean-Hugues va me donner les résultats des post-it, je vais les écrire ici, et les conséquences. Si bien qu'à chaque fois que vous allez jouer le coup suivant, vous allez pouvoir adapter votre décision pour atteindre votre objectif avec le plus d'agilité possible. Puisque ça, c'est la dimension tactique du jeu, c'est-à-dire quelque chose de conjoncturel et quelque chose de court terme. À chaque fois, vous saurez si vous avez gagné et si vous avez perdu. Au bout des 3 coups, je vais demander à chacun des groupes de m'envoyer 2 personnes. Garçon ou fille, ça n'a pas d'importance. Et cela va donc faire 8 personnes. Ces 8 personnes, on n'a pas une table qu'on peut bouger. C'est dommage. Alors, on va faire avec ce qu'on a. Nous allons les disposer ici et ils vont négocier devant vous par rapport à leurs objectifs et par rapport à ce qu'ils ont gagné ou perdu. Vous allez donc tous entendre. Ensuite, nous allons rentrer dans ce qu'on appelle le compte-rendu de mandat. Le compte-rendu de mandat, c'est quand des négociateurs ont préparé leur négociation avec un groupe et puis ils arrivent au contact du groupe après la négociation. Mais généralement, c'est ça que tu as obtenu. Non, mais ça ne servait à rien de faire ce qu'on a fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon. Et quelquefois, nous avons l'impression dans le compte-rendu de mandat qu'on ne retrouve pas ce sur quoi nous avons travaillé au départ. Et ce sur quoi nous avons installé avec beaucoup de force et de conviction notre émotion de départ. Donc, une fois cette négociation terminée, vous allez retrouver vos groupes. Et là, vous allez jouer 2 coups. Est-ce que c'est clair ? Et après, le jeu est fini. Et après, nous passons au décryptage du jeu ensemble. Je vais vous demander d'abord, pour le groupe A, vous avez joué ça, pourquoi ? Et petit à petit, nous allons découvrir des choses qui vont devenir extraordinairement intéressantes sur la façon d'adapter notre attitude en négociation. Suis-je toujours clair ? Bien. Alors maintenant, évidemment, il y en a qui disent son truc, c'est bien joli. Mais alors, sur quoi on va jouer ? C'est quoi les objectifs ? Eh bien, voilà. Maintenant, les objectifs, si vous voulez bien. Alors, quelles sont les données du jeu ? Eh bien, je vais les écrire ici. Nous allons partir avec un point à 1 000 euros. C'est-à-dire que par rapport à votre objectif gagner le maximum d'argent, votre décision va jouer sur un point de 1 000 euros. D'accord ? Alors, voyons maintenant comment les choses vont fonctionner, quelles sont les données du jeu. Ces données du jeu étant collées soit sur les portes, soit sur les colonnes pour que chacun des groupes les ait à sa disposition. Alors, voilà le jeu. Si 4 groupes jouent X, Si 4 groupes jouent X, chacun perd 1 000 euros. Si 3 groupes jouent X et 1 groupe joue Y, chacun des groupes qui a joué X gagne
1 000 euros. Et le groupe qui a joué Y perd 3 000 euros. Si deux groupes jouent X et deux groupes jouent Y, chacun des groupes qui a joué X gagne 2 000 euros. Et chacun des groupes qui a joué Y perd 2 000 euros. Si un groupe joue X et trois groupes jouent Y, le groupe qui a joué X gagne 3 000 euros et chacun des groupes qui ont joué Y perd 1 000 euros. Enfin, si quatre groupes jouent Y, chacun gagne 1 000 euros. Voilà le jeu. Est-ce que les données sont claires ? Oui, je vois déjà qui rit, tant mieux, c'est un jeu, donc on va bien s'amuser, et c'est un jeu très sérieux aussi. Est-ce que c'est clair, les données du jeu ? Oui ? Non, je ne parlerai pas du but. Je vais vous dire tout de suite, c'est pas parce que je suis un dictateur, c'est si je parle du but, la réflexion sur le but fait partie du jeu. Si je donne ma réponse, vous devenez les illustrateurs de mes propos. Ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de nourrir votre autonomie, votre liberté, votre prise de conscience des choses. Non, je n'ai pas dit il faut. Chaque groupe a le même objectif, gagner le maximum d'argent. Maintenant, c'est vous qui allez voir comment ça va se faire. Hein ? Laissez-moi, laissez-moi. Donc chaque non, parce que si on fait un débat, on ne va pas s'en sortir. Faisons les choses, et vous allez voir que répondre à cette question fait partie de la problématique, bien évidemment. Eh oui. Alors, est-ce que c'est clair ? Je récapitule, rapidos. Quatre groupes. Chaque groupe va prendre une décision toutes les trois minutes en X et en Y. Au bout, nous allons jouer trois coups. Puis au bout des trois coups, il y aura une négociation. Cette négociation aura lieu devant tout le monde par rapport aux objectifs. Et ensuite, nous jouerons deux coups. Mais pour intéresser le jeu et pour pimenter un peu la sauce, le cinquième coup est seulement celui-là, pas les autres. Le cinquième coup, ici, gains et pertes seront multipliés par deux. Et le jeu sera fini. Et après, nous passons au décryptage du jeu. Est-ce que c'est clair ? Bon, Jean-Hugues, s'il te plaît, est-ce que tu peux avoir la gentillesse de voir avec la répartition des groupes ? Ok. Hein ? Donc, pour vous que vous soyez à peu près équivalent en nombre. Sur les quatre postes A, B, C, D, il y a deux postes près des colonnes, deux postes au fond de la salle, sur les portes, marqués par un post-it. Il vous faut un stylo. Si vous n'en avez pas, je vais vous en donner un. Voilà, vous avez de quoi faire cinq décisions. S'il vous plaît. Voilà. Les groupes à peu près homogènes, si possible, ça serait... Pas avant la décision, évidemment. Après. OK. Pardon. Je pense qu'il manque un peu de monde côté groupe B, peut-être 2-3 personnes. S'il vous plaît, groupe B, vos bulletins de décision. Il faut laisser un petit passage... Alors, autre chose, s'il vous plaît, j'ai oublié de vous dire. Trois façons de prendre la parole dans ce jeu. Chut, s'il vous plaît. Jean-Hugues, attends une minute, il faut que je rappelle quelque chose. Trois façons de prendre la parole dans ce jeu. D'abord, quand vous êtes en petit groupe, vous prenez votre décision en toute liberté, mais à voix basse, de telle façon à ce que les autres groupes n'entendent pas votre processus de décision, autrement vous fausserez le jeu. Deuxième chose, lorsque vous serez en négociation, il faudra parler le plus clairement possible, on verra avec le micro. Et troisième chose, lorsque je parle pour donner les résultats, il vaut mieux que le groupe écoute, de façon à ce qu'on puisse continuer dans le jeu. D'accord ? Allez, on y va. Merci beaucoup. Bon, ils ont leur post-it, là ? Bien, alors maintenant, vous prenez 3 minutes et dans 3 minutes, vous donnez à Jean-Hugues votre décision, s'il vous plaît. Top chrono, c'est parti. Bien, voilà les résultats. Alors, tu me donnes les trucs.
le groupe A a joué X. C'est quoi ? C'est B ? Le groupe B a joué X. Le groupe C a joué Y. Et le groupe D a joué X. Les résultats sont donc les suivants. Chacun des groupes qui a joué X gagne 1 000 euros. Pardon. J'augmentais un peu les enchères. Chacun des groupes qui a joué X gagne 1 000 euros. Et le groupe qui a joué Y perd 3 000 euros. Coup suivant, s'il vous plaît. C'est parti pour 3 minutes. Alors, le groupe A a joué X. Le groupe B a joué X. Le groupe C a joué Y. Le groupe D a joué X. Coup suivant, s'il vous plaît. 3 Alors, minutes. Les résultats sont les suivants. Le même que le premier coup. Plus 1. Plus 1. Moins 3. Plus 1. Coup suivant. C'est parti, 3 minutes. Merci. Le groupe B, la décision du groupe B, X. C, Y. A, Y. A, Y. D, X. Ce qui donne donc, avant la négociation, la décision du troisième coup, nous allons donc avoir moins 2, moins 2000, plus 2000, moins 2000, plus 2000. Donc avant la négociation, le jeu là, le jeu réel a été inventé par deux professeurs de l'école, mon ami Patrice Stern, avec qui j'ai écrit le bouquin La boîte à outils de la négociation chez Duno, et mon ami Jean-Pierre Gruère. Il a été inventé dans les années 70, il a fait le tour du monde. Nous verrons tout à l'heure que Obama, dans un de ses discours avant d'être président, l'a utilisé. Et nous verrons tout ça. Alors, ce jeu lui-même est beaucoup plus important, les coûts sont beaucoup plus importants, mais comme on n'avait pas tout à fait le temps, j'ai préféré le réduire pour que nous puissions ensemble prendre conscience des choses et que nous partagions une certaine culture de la négociation. Voilà. Alors, maintenant, avant la négociation, le groupe A en est à 0, plus 1, moins 2, 0. Ici, plus 1, plus 1, plus 4, le groupe B est à plus 4000. Le groupe C, moins 3, moins 3, moins 6, moins 8. Le groupe C, moins 8. Le groupe D, plus 1, plus 2, plus 2, plus 6. Le groupe D est à plus 6. On dirait l'Eurovision. Pardon ? Oui, 4. 4. On dirait l'Eurovision, one point, etc. Ça fait tout à fait ça. Bien, alors maintenant, je vous propose d'avoir la gentillesse de discuter entre vous quelques minutes pour savoir qui négocie, il me faut deux personnes par groupe, et quoi négocier, bien sûr, par rapport à vos résultats. Mais c'est à l'image de la vie. Vous ne savez absolument pas, dans la négociation, si ce qu'on va vous dire est vrai, si c'est faux, si c'est du bluff. Vous n'en savez rien. Mais ça fait partie de la vie. Voilà. Donc quelques minutes, s'il vous plaît, et nous commençons la négociation, qui va durer 10 minutes. 3 minutes. C'est parti pour 3 minutes de préparation. Merci d'avoir eu la gentillesse de venir négocier pour nous devant nous. Vous allez donc avoir 10 minutes. Vous avez ici les résultats. Vous avez ici, chose qu'il ne faut pas perdre de vue, que le cinquième coup, pas le coup suivant la négociation, mais le cinquième coup, gains et pertes sont multipliés par 2. Maintenant, en fonction de vos objectifs, en fonction de l'objectif global, gagner le maximum d'argent pour chacun des groupes, et avec les résultats que vous avez face à vous, maintenant, vous allez pouvoir négocier pour vous faire des propositions et pour voir ce que vous allez pouvoir faire ensemble. Et comme je l'ai dit, vous êtes un foutu capable de savoir si dans ce qui est dit, c'est du vrai, du faux ou du bluff. C'est à l'image de la vie. Merci beaucoup. 10 minutes. À vous de jouer.
Donc, nous tous les deux, on est D. On est D. Je ne répondrai pas à ça. Vous venez juste de dire ça. Ça fait partie du problème. Non. J'ai dit qui est qui est A. Pas le même objectif, gagner le maximum d'argent. D'accord. Ok. Merci. Voilà. Prenez C'est. Nous, c'est les Y. D'accord. Et on va vous expliquer pourquoi. Alors, justement, commence. Nous, notre groupe, on a réfléchi en objectif global. Donc, dans les quatre lignes qu'on a eues, la première ligne, globalement, on perd 4000. Sur les trois autres lignes, on est à zéro. Voilà. Donc ici, alors s'il n'y a que des X, donc je voulais la théorie. Donc quand il n'y a que des X, c'est moins 1 pour tout le monde, donc c'est moins 4 pour l'ensemble des groupes. Pour les trois autres lignes, on est à zéro. Quelque part, on a sauvé la globalité avec notre Y. On mérite peut-être des remerciements. Et en fait, ce qu'on se dit, c'est que si on collabore tous ensemble et qu'on met tous des Y, du coup, on gagnera plus 4, tout le monde. Sachant qu'une bonne négociation, c'est peut-être qu'on soit gagnant tous. Nous, on est assez d'accord sur ça. Par contre, on n'a pas fait tout à fait le même calcul. On a compté toutes les combinaisons jusqu'au cinquième, tout simplement, jusqu'au cinquième coup. Et on a vu que le raisonnement que vous avez tenu, on ne pouvait pas le faire au premier coup, parce qu'on ne savait pas comment les autres allaient voter. Et que ce raisonnement, en réalité, on ne pouvait le faire qu'à partir du quatrième coup, que ça devenait rentable qu'à partir du quatrième coup. Donc du coup, on a systématiquement voté X parce que mathématiquement, c'est ce qui donnait la plus grosse espérance d'avoir des bons gains. Et on ne pouvait pas se permettre au premier coup de faire cet essai parce que justement, ça ne marchait pas si quelqu'un d'autre ne suivait pas. Par contre, on a attendu le quatrième coup pour se dire qu'on pouvait voir tous ensemble pour maximiser nos gains, mais on pouvait le faire qu'à partir du quatrième coup et que c'est là que ça devenait intéressant, mathématiquement. Vous, c'est quel groupe ? On est D. B, ok. Parce qu'il y a le A qui... Moi, je suis intéressé par le A. On est D ou on est B ? On est D, hein. Moi, je voulais vous remercier, le groupe C. Je ne sais pas où ils sont. Non, je voulais vraiment vous remercier parce que, en fait, on a une vraie discussion en interne sur est-ce qu'on joue Y ou est-ce qu'on joue X au premier coup. Et on avait à peu près moitié-moitié sur X ou Y. Et on a joué X. Et parce qu'on était persuadé qu'on allait avoir personne qui allait jouer Y. Donc, merci d'avoir joué Y parce que vous nous mettez dans une dynamique où en fait, maintenant, on est prêt à jouer Y et on est tous prêts à gagner un niveau 1 pour chacun, si tout le monde veut bien le faire. Moi, ma seule interrogation, c'est qu'en fait, si là, nous tous autour de la table, et on se met d'accord avec nos coéquipiers pour jouer Y au prochain tour, en fait, vous allez perdre. C'est-à-dire qu'au final, vous allez, dans le meilleur des cas, à la fin, vous retrouver avec une somme négative, quoi que vous fassiez. D'accord ? Si l'objectif est par un groupe, le nous, c'est votre groupe C. D'accord. Ok. Oui. On n'a pas les thunes, mais on a l'éthique. Ouais. Ce que j'avais aussi eu un peu l'impression à travers cet exercice, ce jeu, je pense que beaucoup d'entre nous l'avons déjà subi ou vécu différentes entreprises ou missions, etc., d'avoir un projet qui est réparti sur différentes entités et qu'au final, il y a un petit souci qui se déclare et on essaie tous de se renvoyer la balle pour savoir qui a fait la faute, qui est responsable et à qui on doit, qui doit-on remercier pour avoir sauvé le projet, même si au final, ils ont juste accusé les autres. Et l'intérêt ici, en jouant Y, c'est pas de se dire « nous, on a sauvé le projet », mais de dire « on a fait un projet qui a vécu, qui est allé en production, qui fonctionne, et tout le monde est content, tout le monde ressort enrichi finalement de cette expérience. » Et en jouant X, on ne peut pas avoir ça parce que X, c'est le projet qui se passe mal et au final, qui ne sort pas, où on n'arrive nulle part. Et la seule moyen qu'on soit tous contents de ce projet-là, c'est en jouant Y. Ouais, alors nous, on est équipe B. Donc, c'est assez similaire par rapport on va dire l'équipe D, on avait à peu près la même approche. Au premier coup, on a vraiment hésité entre X et Y. On était à peu près à égalité. C'est, en fait, ce qui s'est décidé, c'est le choix d'urgence quand on devait rendre le papier. Et on est parti sur le choix classique, hein, la sécurité. Donc, perdre moins 1, ce n'est pas une grosse perte. Derrière, partir sur du gain quasiment dans tous les coups, sauf s'il y a le Y. Oui,
C'est pour ça qu'on a fait ce choix-là au tout premier choix. Après, on a gardé, comme on avait gagné un premier point, on s'est dit, on continue à jouer à sécu, et c'est purement de la sécurité qui s'est fait jusqu'aux deux dernières étapes. Là, maintenant, l'objectif, c'est vrai que ça serait clairement de mettre tous des Y. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le seul où on gagne tous. Faut voir, hein. Là, actuellement, il y a toujours un équilibre qui est en train de se forger entre les pertes et ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Là, l'objectif maintenant, c'est de prendre que des Y. Dans tous les cas, on gagne 3 points chacun. Ça paraît d'être... à mon sens, c'est un bon deal. Je suis juste désolé pour l'équipe C. C'est bien d'avoir lancé le mouvement. C'est dommage que tout le monde a voulu jouer à la sécurité pour suivre. Nous, on est prêts pour notre équipe, on est prêts à jouer Y pour les deux derniers coups. Je vais juste rajouter un petit point là-dessus, c'est que là on est 4 équipes. L'objectif, ce serait que, au niveau des 4 équipes, on reste dans le positif. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien être tout le temps dans le on aurait pu être tous dans le négatif. On aurait tous pris X dès le départ. On serait tous dans le négatif. C'est-à-dire que il y aura aucune équipe qui aurait gagné. En globalité, en plus, on aurait moins 4 au lieu de 0. C'est ça. C'est ça. Donc là, l'objectif, c'est que pas qu'une individualité s'en sorte, c'est que tout le groupe arrive à atteindre le plus gros score. Donc nous, en passant tous sur du Y, c'est là où on va pouvoir optimiser nos chances de gagner. Et nous, notre groupe C, tu confirmeras, on s'engage à mettre des Y pour le reste du jeu. Je confirme. Groupe D, pareil. Ça permettra de résorber un peu le difficile du groupe C et maintenir pour les autres, finalement. Enfin... Pareil pour nous. Pareil. Confirme. On l'a déjà dit, donc on va le répéter, on est pareil sur Y. Je vais quand même poser une question à la table des négociations, qui est, et si jamais il y a quelqu'un, parce qu'on est dans un groupe, mais par malheur, il y a quelqu'un sur le prochain tour qui joue X. Et ça ne pourra pas arriver, on est bien d'accord. Mais... Ça ne pourra arriver, parce que j'ai peur des réactions de la moitié de notre groupe qui risque de se remettre à la sécurité, puisqu'en plus, nous avons des gains. Donc on risque de vouloir les sauvegarder au tour suivant. En étant juste pragmatique, de toute façon, on connaît déjà le résultat. Hein. S'il y a une personne qui va mettre X au prochain tour, tout le monde mettra X au dernier, sauf l'équipe C, parce que je suis sûr qu'ils vont rester sur leur éthique et rester sur la politique du Y. Mais c'est une évidence que si, dès le quatrième tour, il y a des personnes qui jouent Y, des personnes qui jouent X, pardon, pour le 5, c'est joué. En fait, si tu regardes pour l'équipe C, si vous jouez X, de toute façon, vous l'avez dans l'os. Vous êtes obligé de jouer Y. Ça veut dire que tout le monde est obligé de vous suivre maintenant, parce que celui qui ne va pas le suivre, en fait, mathématiquement, il va se faire avoir. Ouais. Donc, c'est même ne pas vous suivre à ce niveau, quatrième étape, en fait, c'est se faire avoir. Parce que vous êtes obligé mathématiquement de jouer Y. Vous n'avez aucune possibilité de jouer X. Et... Je sais pas, fait les calculs peut-être, mais en tout cas, si quelqu'un vote X, alors qu'on avait dit qu'on votait Y, en plus de perdre notre confiance à tout jamais, on prendra cette donnée pour le dernier tour, qui est multiplié par 2, et on devra avoir une négociation encore plus compliquée, parce qu'il va falloir prendre ce facteur-là, de perte de confiance d'un des groupes. Et donc ça va nous amener à une négociation encore plus complexe où on risque finalement d'être tous perdants sur un résultat qui est en plus multiplié par 2. Entre vous. Voilà. Je ne sais pas s'il reste du temps. Donc c'est juste pour dire, ça c'est un business qu'on fait ensemble et j'espère qu'on sortira tous gagnants. N'oublions pas qu'il y aura d'autres business dans d'autres dans d'autres asile tours, dans d'autres meet-up. Et si on gagne ici, on aura les confiances. Merci beaucoup. Bien, maintenant, si vous voulez bien avoir la gentillesse de rejoindre vos groupes, s'il vous plaît, et dans 3 minutes, de prendre une décision. Le groupe B a joué Y.
Le groupe A a joué Y. Le groupe C a joué Y. Et qu'est-ce qu'a joué le groupe D ? X. Et voilà. Bien. Ce qui donne donc... Ce que donne donc... Il y a une phrase de Jefferson... S'il vous plaît. Il y a une phrase de Thomas Jefferson qui est évoquée par le groupe de Palo Alto, une théorie de la communication la plus riche à l'heure actuelle, pour mettre en évidence le paradoxe qu'il y a entre ce qui est dit et la contradiction avec ce qui est fait. Ce que tu es parle tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. Bon, alors nous allons voir un peu ce que ça donne. Donc ici, nous avons les groupes A, B, C qui perdent 1000 euros. Et nous avons le groupe D qui en gagne 3. Coup suivant et dernier coup, gain et perte multipliés par 2. Merci. C'est parti. Le résultat du dernier coup, du cinquième coup, gain et perte multipliés par 2. Le groupe C a joué Y. Le groupe A, Y. Le groupe D, X. Le groupe B, X. Alors, chut, s'il vous plaît, j'ai animé ce jeu des centaines de fois. Je les ai animés dans plusieurs pays. Il y a des pays où le jeu lui-même compte 11 coups avec 2 négociations. Là, comme nous n'avions pas beaucoup de temps, j'étais obligé de le rétrécir. Hein. Mais vous avez des pays, des cultures où on ne termine pas après le cinquième coup, c'est-à-dire après la négociation, hein, généralement. Bien. Alors, avant de jouer à ce jeu, avant de l'animer, on nous demande d'y jouer. Et c'est un jeu et on joue comme ça. Bon, j'ai animé ce jeu avec les grands patrons du groupe L'Oréal, ils ont joué pareil. J'ai animé ce jeu pour tous les grands patrons du CNRS, ils ont joué pareil. Donc, ce qui est intéressant, ça n'est pas tant le résultat, c'est ce que notre intelligence va nous permettre de découvrir sur nous-mêmes à partir de ce résultat. C'est un extraordinaire exercice de lucidité dans ma vie, dans mes négociations. Est-ce que je joue X ou est-ce que je joue Y ? Quand je fais une promesse, est-ce que je la tiens ou je ne la tiens pas ? Toutes ces choses-là font partie d'une agilité intellectuelle qu'il est absolument nécessaire. Non pas, nous en sommes tous plus ou moins conscients, mais avec ça, nous allons augmenter la lucidité sur nous-mêmes parce que nous allons voir que le jeu X et Y et les enjeux et les sens qui en découlent sont absolument imparables et incontournables. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'après, dans notre vie, on se dit, mais quand j'ai fait ça, j'ai joué X ou j'ai joué Y ? Et si j'ai joué X avec mon partenaire et tout, qu'est-ce que je lui laisse comme chance ? Oui, tout ça. Bien. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, gain et perte multipliés par 2, ça veut dire que ici, les groupes X, les deux groupes B et D, pardon, qui ont joué X, ont gagné 2 millions chacun. 2 millions, j'en reviens à 1 million. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on fait le jeu maintenant, le jeu en entier, avec les 11 coups, le point est passé à 1 million. Alors, quand je l'ai commencé, j'étais prof permanent dans les années 70 à l'ESCP, le point était à 1 franc. C'est à 100 francs, 100 francs, c'est vous dire l'inflation. Hein. Bon, alors, ici, ça donne moins 2. Moins 4, oui, pardon, vous avez raison. Vous voyez, vous êtes très attentif. Moins 4 plus 4. Moins 4 plus 4. Voilà. Alors, maintenant, nous allons voir ce que cette grille de résultats va nous permettre de nous apprendre sur nous-mêmes. Première chose, et je voudrais donner la parole à madame parce que j'ai pu lui paraître un petit peu méchant. Monsieur, mais alors, c'est quoi l'objectif, etc. Alors, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs façons de comprendre l'objectif du jeu ? La question que je voulais poser au début, c'est est-ce que c'est un objectif individuel, équipe par équipe, ou est-ce que c'est un objectif global ? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, Jean-Hugues, si tu peux avoir la gentillesse de passer le micro, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a une idée sur la question ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, qui nous dit, ben voilà, moi j'ai compris le jeu comme ça. Allons-y.
Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure à la table de négociation. C'est que pour moi, le jeu, si on joue tous X, à ce moment-là, on a tous des points en moins. Et au final, tout le monde est perdant. Permettez-moi, excusez-moi de vous interrompre. On ne peut pas rentrer dans ce débat-là. J'essaye, non pas, c'est parce qu'on n'a pas trop de temps. Vous avez d'ailleurs joué déjà à ce jeu, comme vous avez dit. Non. Essayez de me dire si, dans le jeu lui-même, il n'y a pas plusieurs façons de comprendre l'objectif. Chaque groupe a le même objectif, gagner le maximum d'argent. C'est ça qui est important. Est-ce que vous avez une idée là-dessus ? Alors, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire, s'il vous plaît ? Je répète la question. Quand j'ai dit chaque groupe a le même objectif, gagner le maximum d'argent, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs façons de comprendre cet objectif ? Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Allez-y. Soit. Donc, moi, je vois au moins trois façons de répondre à ça. J'en connais deux, mais s'il y a une troisième, c'est preneur. Donc, soit. C'est gagner de façon individuelle. Oui. Par exemple, le groupe D gagne. Gagner l'un contre l'autre. Oui. Soit c'est gagner de façon collective. Oui. Soit ça peut être aussi maximiser le gain collectif, mais rester quand même en tête. Oui. Alors, pour l'instant, gardons les deux premières options. Vous avez raison, c'est intéressant. Gardons les deux premières options. Donc, il y a en gros deux façons de comprendre l'objectif du jeu. Soit essayons de nous donner les conditions pour gagner contre les autres et gagner le maximum de fric, soit essayer, et c'est beaucoup plus difficile, de travailler ensemble pour voir si on ne peut pas s'organiser ensemble pour gagner le maximum d'argent. Voilà. C'est donc deux visions, soit une vision coopérative, la deuxième étant coopérative, soit une vision compétitive. Bien. Alors, ce qui fait qu'en fonction de ce que vous avez compris de votre objectif, cela va déterminer bien sûr les décisions que vous allez prendre et la façon dont vous allez les négocier. C'est pour ça que c'est extraordinairement important de réfléchir sur le sens des choses. Je vous propose une phrase d'Épictète, philosophe grec, stoïcien, 1er siècle après notre ère, qui sans doute la phrase en communication humaine, qui est la phrase sans doute la plus intéressante pour montrer la complexité des choses. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais le sens qu'ils leur donnent. Ce n'est pas le jeu qui vous a troublé, c'est le sens que vous avez donné au jeu. Dans vos entreprises, dans vos relations personnelles, intimes, vos relations amoureuses, dans nos relations, puisque c'est pareil, on se met tous en même temps, dans nos relations d'entreprise, nos relations amicales avec les gens, quand on est dans nos négociations, quand on est dans notre vie intime, nos amours et tout ça. Est-ce que finalement, nous essayons de trouver les moyens de faire les choses ensemble, et ça n'est pas facile ? Ou alors, est-ce qu'on installe un système de pouvoir ? Le chef, c'est moi, le soumis, c'est l'autre. Donc ça nous oblige évidemment à prendre cela en compte pour essayer de comprendre les choses. Alors, si vous voulez bien, maintenant, à partir de ça, je voudrais rapidement voir un peu, ça a déjà été pris dans la négociation, mais je voudrais déjà savoir en gros pourquoi les groupes ont joué ça. Alors, le groupe A, pourquoi vous avez joué X, s'il vous plaît ? Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole ? Il faudrait que tu donnes le micro. Quelqu'un de groupe A veut bien parler ? Où est-il, le groupe A ? Disséminé ? Voilà. Tiens, tu donnes à monsieur qui n'a pas encore parlé. Merci. Alors, on a joué X parce que c'est ce qui paraissait le moins risqué. D'accord. Donc, par rapport aux données du jeu, effectivement. Le groupe B, est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose ? D'accord. Le groupe D, est-ce que c'est la même chose ? Oui ? Qui veut prendre la parole sur le groupe D ? Oui ? Bon, alors, je ne sais pas pour tous ceux qui étaient dans le groupe D, mais nous, au niveau du groupe D, on a calculé toutes les combinaisons possibles et on a vu que jouer X, c'était d'un point de vue collectif et d'un point de vue personnel, c'était la meilleure façon de gagner. Et jouer Y, ça vous oblige à jouer Y tout le temps. Et pour espérer gagner, ne serait-ce qu'un peu, ça vous oblige que tout le monde joue Y tout le temps. Donc Y, c'est une voie perdante systématiquement. D'accord, mais de dire de jouer X, c'est ce qui permet de gagner ensemble, c'est un peu compliqué. Bah si, en fait. Parce que la seule façon de gagner, c'est jouer Y tout le temps. Si vous jouez 4X, vous perdez.
Voilà. Oui, alors, si tout le monde fait ça, mais il suffit qu'il y en ait une fois quelqu'un qui ne le fasse pas. Ça, c'est un autre problème. Et la seule façon de gagner avec Y, c'est de jouer systématiquement tout le monde Y. Oui, bien sûr. Mais c'est la façon la plus difficile. C'est ce qui fait que dans nos relations personnelles, comme dans nos relations d'entreprise, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus facile d'aggraver une relation malade que de préserver éperdument une relation harmonieuse. C'est ça le problème. Alors, si vous voulez bien, maintenant, voyons un peu les choses. Le groupe, pardon, j'ai donc le groupe D, c'est une opinion. Et maintenant, je voudrais savoir le groupe C, pourquoi vous avez joué Y. Et en fait, vous avez joué Y en continuant sur les trois coups. Alors, le groupe C, où est-il ? Alors, si vous voulez, allons-y parce que le groupe, pour nous, on c'est a ce qui passe le plus de temps, s'il vous plaît. Pareil comme les autres, on a minimisé le risque pour l'ensemble. Vous pouvez expliquer ça parce que c'est pas très clair. C'est pas très clair. Si tout le monde jouait X, justement, on serait à moins. Alors, sur les lignes qu'on a, comme je disais tout à l'heure, ouais. Si on a tous des X, on a globalement moins 4. Oui, non, mais ça, je connais le jeu. Mais voilà. Vous avez donc joué nous, Y. On a joué Y parce qu'il y a une chance sur 4 qu'on gagne tous. Et sur les autres chances, on était à 0 et donc on ne perdait pas. Bon, alors c'est par philanthropie que vous avez joué Y pour permettre aux autres groupes de gagner. C'est ça. Non, pas vraiment en fait. Oui, on... oui, s'il vous plaît. Si j'ai bien compris. Mais... Vous voulez bien m'écouter, enfin, s'il vous plaît. On disposait d'aucune information au premier coup sur la manière dont jouaient les autres. Donc on avait une probabilité qu'ils jouent X ou Y qui était à peu près équivalente. Oui. Jouer Y était pour nous la meilleure manière de faire gagner l'ensemble des groupes. En tout cas, en ne sachant pas ce que les autres allaient gagner, c'était la meilleure manière... De les faire gagner. C'est une relation philanthropique. Le groupe C, il y a toute une série de philanthropes. Mais c'est bien, c'est une belle qualité. Alors maintenant, il y a une deuxième façon de voir les choses. Est-ce que vous connaissez le livre de la jungle, le film Le Livre de la jungle ? Vous vous souvenez de ça ? Avec Baloo, là. Bon. Le serpent, comment s'appelle-t-il ? K. Qu'est-ce qu'il mange, le serpent ? Il mange des singes. Mais le serpent, c'est un python, donc il ne va pas vite. Comment est-ce qu'il fait pour attirer les singes et les bouffer ? Il les hypnotise. Confiance ! Confiance ! On joue tous Y ! On joue tous Y ! Et puis, au dernier coup, on tape en X au maximum. C'est aussi une autre façon de faire. Donc, nous voyons que les jeux X et Y n'ont pas une seule signification. Elles vont prendre leur signification par rapport à ce que vont faire les autres et par rapport à nos intentions. C'est ça qui est intéressant dans le jeu. Alors, si vous voulez bien, pour essayer de voir les choses, nous allons voir les 3-4 figures qui vont se poser à l'intérieur de ça. Mais avant cela, je voudrais aborder un autre problème. Est-ce qu'il y a eu une promesse qui a été faite ? Oui. On joue tous Y. C'était bien ça. Donc ici, nous avons des tenues de promesses apparentes ou réelles. Et ici, nous avons quelque chose qui ne va pas avec la promesse. Alors, le groupe D, quand je dis qu'il ne va pas, je ne dis pas c'est mal. Je dis c'est quelque chose de différent. Le groupe D, pourquoi vous avez joué X ? Pardon ? Pour le jeu. En fait, c'était notre tactique pour gagner. On a discuté par rapport à deux stratégies, puisqu'on a compris le jeu, c'était qu'on doit gagner individuellement en tant que groupe. Et on avait deux tactiques, soit donc respecter l'engagement au quatrième et au cinquième, donner le grand coup de voter contre X, ouais. Soit de jouer tout de suite franco, de ne pas s'engager à la promesse tout de suite. Et du coup, on est sûr que on va gagner comme ça. D'accord. Alors, merci beaucoup pour votre réponse. Je vais vous proposer une petite grille de lecture. Je ne sais pas si elle est là ou si elle est là. Ça dépend, parce que comme il y a deux tableaux... Oui, là voilà. Quand vous entreprenez quelque chose avec quelqu'un, en fait... Nous avons, je le dis normalement, quand on a tout le temps, on parle avec le groupe, et là je suis obligé, avec le temps qu'on a, d'expliquer moi-même. Nous avons toujours deux objectifs.
Nous avons toujours, pardon, deux paramètres. Quand on veut monter quelque chose ensemble, une famille, un voyage collectif avec des amis, une entreprise, une association. Est-ce que oui ou non, nous avons le même objectif ? Est-ce que oui ou non, nous pouvons faire confiance à l'autre ? Bien. Je vous propose sur ces deux paramètres de maintenant les séparer en deux parties. Ici, nous allons dire que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Et ici, nous allons dire que nous avons les mêmes objectifs. Ici, nous allons dire que nous n'avons pas confiance. Et ici, nous allons dire que nous avons confiance. Nous avons maintenant une grille à quatre carreaux. Cette grille va nous permettre de réfléchir stratégiquement. Elle est très simple, mais elle est très intéressante sur les conclusions. Dans cette grille-là, dans cette fenêtre-là, est-ce que nous avons les mêmes objectifs ? Oui ou non ? Non. Est-ce que nous avons confiance ? Non. Quand on n'a pas les mêmes objectifs et qu'on n'a pas confiance, nous sommes dans quelle situation ? Le conflit. Bien. Donc ici, nous allons dire, nous sommes dans le conflit. Bien. Ici, est-ce que nous avons les mêmes objectifs ? Oui. Est-ce que nous avons confiance ? Oui. Nous pouvons dire que nous sommes dans l'union. Notre tentation habituelle, notre tentation humaine, c'est d'essayer de passer directement du conflit à l'union. C'est là où c'est impossible. Ça n'est pas facile. Il va falloir choisir ou ce chemin-là ou ce chemin-là. Alors, je vous propose d'abord d'explorer ce chemin-là. Là, je regarde combien de temps j'ai. J'ai encore. Oui, ben donc il faut que j'accélère. Dans ce chemin-là, je vais essayer de me mettre d'accord avec l'autre pour savoir si nous partageons les mêmes objectifs. J'explique. J'écoute. Je confronte. J'essaye de convaincre. Et imaginez que vous ayez découvert que vous avez les mêmes objectifs. Vous vous êtes fait une promesse implicite. Vous ne savez pas encore si vous pouvez faire confiance, mais cette promesse, elle est implicite par rapport au partage des objectifs. Vous êtes à ce moment-là ce que j'appellerais dans une case attente. Vous ne savez pas encore si vous pouvez faire confiance, mais vous êtes dans l'attente. Vous êtes disposé. Bien. Qu'est-ce qui va vous permettre dans la vie, dans la négociation et en général, de passer de la case attente où il y a une promesse à la case union? C'est quand la promesse se transforme en quoi? En preuve. C'est l'étroitesse du couple promesse-preuve qui va rendre la chose fiable. C'est cette notion-là qui est fondamentale. Parce que finalement, la confiance se mesure. Elle ne se donne pas tout entière. C'est une politique des petits pas. Nous avançons dans la vie de petites promesses en petites preuves. C'est à cet égard que Jean Cocteau a par exemple dit « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Cette notion-là, promesse-preuve. Donc vous voyez qu'ici, nous avons un premier chemin qui est ça. Alors il y a un deuxième qui consiste à d'abord faire confiance et ensuite à essayer de voir si on partage les objectifs. Je dirais qu'en entreprise, si vous me permettez, j'appellerais cela un pari risqué ici. Alors voyons maintenant par rapport à ces choses-là. Et là, mon cher Jean-Hugues, est-ce que tu peux me passer le slide des... Voilà, celui-là. Voyons maintenant par rapport au jeu... Par rapport au jeu, quelles sont les hypothèses possibles ? Vous avez trois hypothèses. Soit le jeu à somme négative. Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde perd. Soit, c'est-à-dire quand tout le monde joue X. Quatre groupes jouent X, tout le monde perd. Maintenant, vous avez le jeu à somme positive. Tout le monde gagne. Ça, c'est tout le monde joue Y. Ce dont vous avez parlé, quelques-uns d'entre vous. Et un peu la volonté en disant l'idéal, ce serait qu'on joue tous Y. Le problème, c'est que c'est très difficile. Et la troisième possibilité, c'est le jeu à somme nulle. C'est-à-dire le jeu où tout ce qui est gagné par l'un est perdu par l'autre.
Alors, pour résumer ça, je vais vous citer un discours d'Obama dont je vous ai parlé. Il n'est pas encore président des États-Unis. Il vient soutenir Hillary Clinton pour les primaires. Il est un sénateur de Chicago inconnu. Et il va faire un discours qui va nous devenir totalement compréhensible à partir de ce jeu. Alors pourquoi ? Peut-être parce qu'il y a des étudiants qui sont venus des États-Unis. Le SCP, c'est une très grande école. Nous avons 5 campus. Il y a des profs qui sont venus du Québec, des États-Unis, enseigner. Donc le jeu, vous y avez joué vous-même, etc. Depuis que Patrice a inventé ce jeu, il est passé dans toute une série de structures. Voilà ce que dit Obama. Il y a en Amérique une génération X issue de baby-boom qui joue toujours l'un contre l'autre, race contre race. Riches contre pauvres, vieux contre jeunes, nord contre sud, pour un jeu à somme nulle où la réalisation des rêves des uns se fait toujours aux dépens de la réalisation des rêves des autres. Moi, je vous invite, les jeunes de la génération Y, partout nous avons des désaccords, à passer des compromis, car il ne s'agit pas de gagner l'un contre l'autre. Il s'agit de construire une nouvelle Amérique où chacun puisse loger ses rêves. Yes, we can. Voilà le discours. Et vous voyez que ce discours, nous le comprenons parfaitement à partir de ce jeu. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir les émotions, de voir d'abord, par rapport à ces choses-là, quelles sont les conséquences. Ici, tout le monde perd. Ici, tout le monde gagne. Ici, celui, il y en a un qui perd tout ce que gagnait l'autre. Quelles sont les émotions, à votre avis, qui découlent du jeu à somme nulle pour celui qui a tout perdu, qui n'a pas pu réaliser son rêve par rapport à celui qui l'a fait? C'est généralement en négociation ce qui se passe souvent en entreprise où il y a des gens qui se disent « faut faire un gros coup ». Après, on s'en fout, hein, on ne les reverra pas, mais on a déjà gagné des sous là-dessus. Dans le jeu à somme nulle, si vous êtes celui qui a tout perdu, qu'est-ce que vous ressentez? La vengeance, la rancœur, la frustration. Bien. Donc voyons ici que nous sommes dans un système de vengeance, de frustration, etc. Si nous sommes ici dans le jeu à somme négative, tout le monde perd. Alors j'ai perdu, moi je suis un pourri, tout le monde est pourri, etc. Il n'y a qu'à se faire sauter. Quelle est l'émotion qui ressort de ça? Une sorte de désespoir. De désespoir. Bien. Et si maintenant nous sommes dans le jeu à somme positive, qu'est-ce qu'il ressort de cette situation? Eh bien, sans doute, une certaine forme, je vous donne un mot, parce que je trouve que c'est un joli mot, c'est un mot ancien, enthousiasme. Ça vient de NTU en grec ancien, qui veut dire ce petit Dieu qui est en nous. Et dans l'enthousiasme, ce petit Dieu se met à rire. Voilà les trois cas de figure. Alors voyons maintenant, par rapport à ces trois cas de figure, il faut que je retrouve mon schéma, et là encore ça perd un peu de temps. J'ai encore 10 minutes, n'est-ce pas? D'accord. Je l'ai mis. Il est peut-être là. Après, nous revenons à ça. Voilà. Si nous voyons les données du jeu, si je joue X et que l'autre joue X, il perd avec moi. Si je joue X et que l'autre joue Y, il perd contre moi. Cela veut dire que dans les pratiques inconscientes du jeu en X, tant dans la vie que dans la négociation, cela signifie « je veux que l'autre perde ». Le très gros problème, c'est que dans la vie et dans la négociation, si l'autre joue X, vous ne pouvez rien faire que de perdre. Imaginez un couple. Chacun s'est juré fidélité sexuelle. Je sais bien que les choses évoluent. Bon. Les échanges se font dans une certaine complicité à l'heure actuelle. Bon, toutes les choses peuvent changer. Mais imaginez, le type, par exemple, on prend un groupe hétérosexuel, la majorité. Imaginez, le type a juré fidélité sexuelle à sa nana. Et la nana en a fait autant. Et puis, voilà qu'il y a un petit cube long qui passe dans le coin et le type, il prend la piste. Bon, qu'est-ce qu'il joue? Il joue X ou il joue Y? Il joue X. Mais s'il joue X, là, il met
s'accompagne dans l'impossibilité de gagner. Cela veut dire qu'en négociation, si vous avez décidé de jouer Y, d'admettre la légitimité de l'objectif de l'autre et que l'autre a décidé de jouer X, vous ne pouvez pas gagner. Alors maintenant, regardons l'autre cas de figure. Si nous jouons Y, ou l'autre joue X et il gagne contre moi, ou il joue Y et il gagne avec moi. Cela veut dire que le jeu en Y signifie « je veux que l'autre gagne ». Cela va déterminer une autre façon de travailler et une autre façon de penser les choses avec agilité. Alors maintenant, regardons un peu les choses. Ici, nous voyons que si vous arrivez avec la volonté de jouer Y en négociation et que l'autre joue X, vous êtes perdu. Ici, nous voyons que si vous arrivez avec la ferme volonté de jouer Y et que l'autre joue Y, la négociation va prendre une espèce de dimension de partenariat où chacun peut atteindre une partie de ses objectifs, qui ne sont pas forcément le plein pour l'un et le vide pour l'autre, mais qui sont deux objectifs, par exemple, différents, qui répondent aux objectifs de chacun des partenaires. Alors maintenant, si vous voulez bien, nous allons aller un tout petit peu plus loin que ça et nous allons revenir à la perspective générale de la négociation. Perspective générale de la négociation, c'est ce que vous avez fait dans le jeu. Le problème de la négociation, la plupart du temps, c'est que nous avons affaire à une tectonique de plaques. Une position, l'un, par exemple, prenons une négociation sociale. Il y a eu un type qui a posé problème, la direction a décidé de le virer. Les délégués du personnel contre-attaquent, font une grève et vont négocier avec la direction. La direction dit « on veut virer ce gars-là ». Et les délégués du personnel ne donnent pas question. Il y en a un qui dit oui, l'autre qui dit non. Tectonique de plaques, tout est bloqué. Si vous voulez commencer à fonctionner dans la négociation, il va falloir travailler sur la mise en mouvement, la phase de mise en mouvement. Sans cette phase, vous ne pouvez rien faire. Alors, prenons les hypothèses de tout à l'heure. Vous arrivez, vous, avec... Non, mais je vais prendre les deux couleurs, vert et rouge, ce sera plus simple. Il y a du rouge dans le coin ? Non, prenons orange. Allez, ça ira. Ah oui, pardon. Merci, Jean-Guy. Donc, vous êtes en vert et l'autre est en rouge. Vous avez décidé de jouer Y. Et à toute une série de choses qu'on apprend à décoder, vous vous apercevez que l'autre veut jouer X. Si vous acceptez ça, la négociation est perdue. Vous l'avez vu avec le jeu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire comprendre à l'autre ? Il faut faire comprendre à l'autre que s'il veut jouer X, ce n'est pas écrit pigeon ici, et qu'on ne jouera pas Y. C'est-à-dire qu'il faut viser la deuxième phase. Et la deuxième phase que vous allez viser, c'est quoi ? C'est la phase de la transformation. Vous allez donc jouer momentanément. Et là, j'aurai besoin d'un slide, s'il te plaît, le slide sur la palette tactique. Voilà, merci. Donc, vous allez jouer momentanément X. Vous allez le travailler au corps. Vous allez l'obliger à vivre la difficulté d'un jeu où tout le monde perd, alors qu'il était persuadé de gagner contre vous. C'est-à-dire que vous allez l'influencer tactiquement pour qu'il accepte à un moment donné de faire basculer sa vision des choses pour revenir à un jeu en Y. Et pour cela, il va falloir le manœuvrer tactiquement, comme Napoléon ou d'autres manœuvraient sur le terrain. Et je travaille sur une palette tactique, comme une palette de peinture, où nous avons sept façons de l'influencer, qui sont l'acrostiche du mot palette, qui sont le plaidoyer, l'assemblage, la limitation, le plaidoyer, l'assemblage, la limitation, l'effacement simultané, le transfert, le tourbillon et l'élasticité du temps. Le travail avec ça, c'est de le remuer, de le manipuler, de le travailler au corps pour qu'à la fin, il ne sache plus d'où viennent ni les Indiens ni les flèches. Et donc, il se dit, j'y comprends plus rien, ce serait peut-être pas une mauvaise idée de jouer Y. Et vous revenez en Y puisque vous y étiez prêt. Vous allez donc réaliser une transformation des émotions et des attitudes. Mais attention, dans ce jeu en X, il ne faut pas faire perdre la face à l'autre parce qu'il préférait se détruire que de revenir en Y.
Dans l'agilité, ce qui va être très intéressant, c'est cette phase qui va consister à passer du XY au XX pour ensuite arriver au YY. Quand vous êtes arrivé là, alors à ce moment-là, vous pouvez viser la troisième phase, la cohésion, c'est-à-dire les prises de décision que vous allez déterminer à la fin de la négociation. En se disant bien que si jamais la négociation se terminait en Y, qui est difficile, qui est d'ailleurs ce que nous essayons de faire dans notre cabinet, à la différence de beaucoup d'autres cabinets qui apprennent en se dépensant très cher, en faisant payer très cher, comment démolir le type donc dès les 5 premières minutes de la négociation pour faire le fric au maximum, Jean-Hugues et moi, nous considérons que nous respirons tous le même oxygène de la même planète. Et à l'ESCP, on fait pareil dans les cours de négociation. C'est-à-dire que nous considérons qu'il ne faut pas tirer un coup, excusez-moi de l'expression, et se tirer. Non. Il faut essayer, et c'est beaucoup plus difficile, et nous l'avons vu dans le jeu, de jouer Y ensemble. C'est-à-dire que finalement, le jeu YY, ce n'est pas ce que la presse appelle gagnant-gagnant, que j'appelle moi gnan-gnan-gnan-gnan. Non. Ce n'est pas de dire je veux bien que tu gagnes à condition que je gagne aussi. Non. C'est l'échange de deux désirs de voir l'autre gagner. C'est dire à l'autre, je te propose, moi je te propose, je vais travailler à fond sur ton objectif pour que tu puisses l'atteindre, mais je te demande d'en faire autant avec moi, sur le mien. C'est une autre interaction dans la négociation. C'est en ce sens où l'interaction elle-même étant la conséquence d'une transformation profonde des émotions et des attitudes que nous pouvons aborder la négociation sur le plan de l'agilité. Voilà ce que je voulais voir avec vous. Je vous remercie de tout ce que vous avez fait. J'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup. Merci public. Cher Jean-Hugues, à toi la manette. Peut-être une ou deux questions. On a encore du temps ? Bon, bah alors ça va, c'est bon. Je ne sais pas où j'ai foutu mon truc. J'ai toujours un problème avec mes feutres. Hein. Toujours. Juste je ne sais pas question. Où est le bouchon. Oui, une question ? Oui, alors une question, c'est que j'ai vu que vous avez fait où un tableau. Oui, voilà. Oui. Un tableau avec un cadran, ça me fait penser à l'analyse transactionnelle en psychologie. Oui. Il y a un rapport avec non. Non, pas là-dessus. Parce que l'analyse transactionnelle prend en cause les trois aspects de la personnalité vus par la psychanalyse, le ça, le moi et le surmoi, qui est transformé en parent, adulte, enfant, adulte, parent. Non, là, c'est une attitude. En fait, ce que je vous ai proposé avec la grille d'accord sur les objectifs, d'accord sur la confiance, c'est une grille qui vous permet de réfléchir à ce que vous allez faire pour parvenir à un jeu en Y avec l'autre. La notion même qui va renforcer tout cela, c'est l'étroitesse du couple promesse-preuve. Ça, c'est fondamental. Et ça, c'est un couple que les politiques ont beaucoup de mal à comprendre. J'ai oublié de vous dire que, par ailleurs, je suis conseiller en communication en stratégie. Eh oui. Bon, alors. Juste donc par rapport à votre conclusion, oui, susciter le désir de gagner, oui, enfin que l'autre ait envie de. Chacun échange son désir de voir l'autre gagner. Voilà. Par rapport au jeu, il serait, parce que ça je l'observe aussi en entreprise. Oui. On laisse trois tours, donc une situation un petit peu pourrir. Alors qu'une négociation, peut-être dès la fin du premier ou du deuxième tour, pourrait souvent améliorer les choses. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, une négociation, c'est finalement une interaction entre des intelligences et une forme d'humanité aussi, je crois. C'est en cela où moi, personnellement, ça m'intéresse, parce que ça pose le problème de la notion même de vision du monde. Hein, comment on se définit par rapport aux autres, et dans la vie, etc. C'est cette notion-là qui, personnellement, me semble importante. Et puisque nous sommes dans le cadre de l'agilité, le Barreur, dans sa démarche cybernétique totalement pragmatique pour rectifier avec sa barre la trajectoire de son bateau pour atteindre le cap, parce qu'il y a des dérives qui ne lui permettent pas de l'atteindre directement, qui va donc d'être adapté les choses avec toute une série de méthodologies que vous connaissez beaucoup mieux que moi, eh bien, cette approche-là me paraît extraordinairement intéressante si nous y intégrons la notion même de négociation et de cette phase de transformation, justement. C'est cette phase-là qui est absolument fondamentale.
Et c'est cette phase-là qui va faire que souvent nous nous faisons des procès d'intention qui vont déboucher. C'est comme un infarctus du myocarde. Un infarctus du myocarde, c'est un caillot qui bouche les systèmes coronariens. C'est les artères qui irriguent le cœur, la paroi du cœur, le muscle. Myocarde, c'est myon en grec, ancien, qui veut dire le muscle. Eh bien, donc le cœur a un muscle très, très puissant. Mais s'il y a un caillot qui se glisse dans un vaisseau, qui bouche un vaisseau, toute la partie qui n'est plus irriguée par le vaisseau va mourir. C'est ce qu'on appelle une nécrose. Il en est de même de la relation. Vous parliez de démarrer les choses progressivement. Bien sûr, c'est intéressant. Parce qu'autrement, vous allez faire que les caillots vont devenir de plus importants. Et la paroi du cœur nécrosée va devenir tellement importante que le cœur va exploser. Vous ne pourrez plus rattraper la relation. C'est pour ça que ce qui est important dans la relation de communication, à l'intérieur, une des choses importantes dans la relation de communication, à l'intérieur de la négociation, c'est de essayer autant que faire se peut. Si vous visez un jeu en Y, à deux, hein, dès que vous sentez qu'il y a une petite chose qui bloque, un petit caillot qui bloque la relation, stoppez tout. Essayez d'abord de vous expliquer sur ce que l'autre n'avait pas compris. Mais je croyais que tu disais ça à toi. Mais pas du tout, moi j'avais envisagé que c'était la chose complètement différente. Mais alors moi j'avais pas compris ça comme ça. Si vous le faites dès le début et que vous avez en perspective la vision cybernétique de l'agilité du barreur qui barre son bateau pour tenir compte des interactions du vent, du courant, pour atteindre son cap, vous comprenez du même coup qu'en maniant la barre de l'agilité, vous êtes en train de viser un objectif humain que l'autre ne fasse pas, comment dire, et n'est pas une mauvaise compréhension du jeu en Y que vous vouliez pratiquer avec lui. Ça, c'est fondamental. Autrement, vous allez vous retrouver dans le jeu en Y que l'autre peut considérer comme étant un jeu piégeant pour créer un climat, et ensuite, taper à la fin. Ça existe aussi. Ça existe aussi. Vous avez même des gens qui se font appeler en négociation par le secrétaire. Appelez-moi dans un quart d'heure. Oui, mais qu'est-ce que je vais vous dire, monsieur ? C'est pas la peine. Appelez-moi. Et là, ben, ils vont jouer sur la régulation du temps. Ah, mais je croyais pouvoir passer 3 heures avec vous. Je suis désolé, on a un problème dans une usine, etc. On est obligé d'y courir. Je suis obligé d'y courir. Bon, nous avons encore 1 heure. Vous voyez comment on fait peser les choses ? Et donc, finalement, ce qui, à mon avis, me semble absolument magnifique dans ce jeu de mon ami Patrice, c'est qu'en fait, vous avez quelque chose qui va vous permettre en permanence d'être conscient. Est-ce que je joue X ? Est-ce que je joue Y ? Quand je fais ça, est-ce que je joue X avec l'autre ? Est-ce que je joue Y ? Et si je joue X, ne jamais perdre de vue que je le mets dans l'impossibilité de gagner. Ce qui va ou déboucher sur des attitudes de soumission, mais aussi sur des attitudes de révolte. Tout est possible. Et c'est un des cas de figure que nous avons vus avec les jeux à somme nulle, etc. etc. Voilà. Le cours de négociation à l'école, à l'ESCP, est un électif, c'est-à-dire que les élèves ne sont pas obligés de le choisir. Et c'est toujours un cours où nous faisons des choses, je crois, passionnantes et qui a toujours un très grand succès à l'école. Voilà. Et le cours commence, enfin le cours est comme les formations que nous pouvons faire en cabinet ou autre, on commence toujours par le jeu X et Y avec des petits groupes parce que ça pose tout de suite les dimensions, bien évidemment. Voilà. Mon cher Jean-Hugues. Ben, je pense que c'est intéressant de partager ce savoir. Donc si vous souhaitez prolonger cette chose, sachez que Jean a coécrit avec Patrice Stern, un ouvrage qui s'appelle « La boîte à outils de la négociation » qui reprend toutes les techniques chez Duno et qui explique la palette, la stratégie, etc. Et on prépare également un cycle de formation indépendant de l'ESCP pour partager ce savoir qui, moi, m'a semblé particulièrement précieux. Et merci, Jean, d'être intervenu. Oui. Et merci de votre écoute et de votre participation.